Ça vous fait YouTube, je suis Suzucube. Et je suis toujours aussi content de vous retrouver pour la suite des The Last of Us Part 2. Vous vous souvenez, on est arrivé à ce hangar avec cette balle. Qui, curieusement, on a envie d'y toucher et tout, mais on peut rien faire avec. C'est un garage. Une buanderie. Je suppose qu'il fallait par là, hein. Ils ont mis des câbles pour nous diriger. Genre des trucs pour attirer le regard du joueur. C'est vraiment bien fait, ça. Et du coup, tu sais, tu vois, tu sens que c'est là qu'il faut que tu ailles. Parce que tu vois les trucs. Comme ça. Genre, je lui tire dans l'épaule et il meurt. Ah bah, je voulais viser la tête, quoi. Pas éteindre la lumière là avant. Les vibrations sont vraiment superbes. Je peux fouiller un peu plus la zone puisque je me sens plus sécure. Un miroir cassé, tiens donc. On évite le ray tracing comme ça. C'est vrai que dans les jeux vidéo, il y a souvent des miroirs cassés. C'est plus simple à gérer avec des vrais miroirs. Il paraît qu'avec le ray tracing, on aura des vrais reflets et des vrais miroirs, quoi. Comme là, en fait, le reflet qui est là-dedans, c'est une texture, en fait, qui représente la pièce de manière furtive, de manière simplifiée. Mais un vrai reflet dans une grande télévision ne ressemblerait pas à ça. Maintenant, est-ce que ce sera la grande révolution de la next-gen? Je ne sais pas. Je ne pense honnêtement pas. Je pense que le cube mapping, enfin, ce qu'on voit là, par exemple, ça fait illusion. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Comment on charge notre arme? Bon. Visiblement, je sais pas comment on charge. Donc tant pis, j'aurai les munitions
plein. De toute façon, c'est pas une émission, c'est ma vie. Ma life is plain. Ah, c'est vraiment ça, on saute. J'ai cru voir un mec. Il y en a en face. Allez vite! C'est bon, j'ai tué. Il y en a... Oh putain, le bruit qu'il a fait! Putain, il a fait tellement de bruit, le con! Il a fait tellement, mais tellement de bruit, l'imbécile. Ah, t'as plusieurs chemins, je pense que tu pouvais monter par au-dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps de chargement dans le jeu, c'est ouf, hein. Comme God of War. Allez bien, par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque, Jessie? Non. On est ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est génial. J'adore ça. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de 4. Ouais, parce que il y a pas grand chose à dire. J'avais l'impression que tu... Je suis juste passé pour voir la neige s'effondrer. Ok. Mais elle est donc artiste. C'est trop bien. Je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite. Ok. Tu peux attacher Bayet ici. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. Putain, il faut que je fasse ça, moi. C'est mes nouveaux trolls, tu vas voir un truc hallucinant et puis je me montre du doigt. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre?
Viens. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. Il y a marqué all clear, all clear, all clear. Two clickers by the gas station. Clear them, otherwise clear. One runner. All clear. On a trouvé un cheval coincé dans la glace, sauvé, on le ramène au camp. RAS, un claqueur. Chèvre morte, près de la maison de la retraite, trois cours à l'intérieur. Pas mal de neige, on va rester ici. C'est vraiment la merde dans ce monde, quoi. C'est déjà la merde dans The Last of Us, ça continue d'être la merde. Ah d'accord, c'est là où on doit aller. Parce qu'en gros, on nettoie la zone. J'ai cru qu'elle avait pris mon cheval, quoi. Voilà. C'est un truc qui s'est renversé en vrai. En vrai, dans ma vraie vie, ou le truc s'est renversé dans le jeu, quoi. Je crois que c'est pas... Ah oui, d'accord. En fait, ils ont fait exprès parce que du coup, t'es obligé de sauter avec le cheval. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hey, je porte des bottes, là. C'est comment tu vas mourir? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? J'ai pourri ta blague? Non. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver.
Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on échappe sur le périmètre extérieur. Putain, on peut rentrer, mais pourquoi j'ai autant galéré à rentrer? Le level design est vraiment bien fait, quoi. Ah, c'est cool. Parce que du coup tu veux venir, c'est ça? Ça a l'air frais, quoi. Ouais, c'est comme ça, quoi. Ok. Bon, les moustiques, là, laissez-moi tranquille un peu. Mais t'as ta lumière, toi! Moi, je suis en mode, j'allume pas la lumière pour pas me faire voir. L'autre, elle est en mode... Bah, les couilles, je mets la lumière à donf, quoi. Ça va faire du bruit, ça. C'est évident, quoi. Oh!
une question, ça. C'est quoi ton record d'infecté tué par une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Impressionnant. C'est que c'était ça qui avait été pété. Visiblement non. Ah si, elle est là. Merde. Mais fais pas autant de bruit, Zina. Attends, Dina, tu as tué sans faire de bruit? Oh, c'est bien ça! On a un intérieur. D'accord. Putain, c'est pas tout ce que je voulais faire. Je voulais lancer ma bouteille. Je voulais lancer la bouteille. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Je pense qu'on peut ouvrir la porte, peut-être. Comment ça, plein? D'accord, en fait, la bouteille ne fait pas partie de mon inventaire. Je comprends. Ouais. Et en fait, j'ai appuyé sur R2, je sais pas, plus sur R2, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah non, on peut pas ouvrir la porte. Elle est où? T'es où, mademoiselle? Ah ouais, y'a rien. Ah ouais, c'est comme ça, y'a rien, quoi. J'ai entendu sa voix étouffée. Aucune idée de là où elle est. Oui, d'accord. J'étais complètement paumé. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas.
Là. Merci. Là. Tu vois? Oh, tu as trouvé comment y aller. C'est quoi ce saut? Je m'en doutais. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. T'as intérêt à me battre la vitesse, pas en faisant. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Quoi cette musique? Miam, je suis désolé, Dieu, enfin il écrit, madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal, je ne voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes. J'avais besoin d'insuline. Personne veut m'en donner. J'avais plus le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Bon. Si tu me faisais à courte échelle, ça marcherait pas? Ah non, en fait, tu sers à rien à cet endroit, quoi. En vrai, elle peut pas grimper. Genre, tu grimpes pas à tout ça. Bon, Ellie n'est pas une grimpeuse. Tu peux grimper là, peut-être. C'est une fausse piste. J'entends rien à l'intérieur.
extra marge, gross profit, expenses. Practice hard work. Goals Q4. C'est exactement comme dans le premier Last of Us. Et vous voyez, dans le reflet de la télé, on ne voit pas les persos. Le ray tracing, ça permettra de voir les persos dans le reflet de la télé. Que du coup, pour l'œil UA, bah, là, ça rend du verre moins cohérent. Parce que justement, on sent qu'il y a un problème au niveau de ce reflet. Je peux bouger ça là? Pourquoi il veut que je me soigne? J'ai pas besoin. Ai-je vraiment besoin de me soigner? Ah ouais, d'accord, c'est vraiment fait exprès. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Il y a le coronavirus. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Oh, c'est mignon. Ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés sont plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché. Quoi, il écrit A en japonais? Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Ah, c'est pour traduire, d'accord. Pas le bon plan ça. Vu le bruit qu'on a fait, ils vont tous se ramener là. Qui m'éclaire comme pas possible. Il n'y en a qu'un seul, ça va. Je trouve qu'on s'en sert très très bien en vrai. Même si Clacker il fait très très peur. Alors qu'est-ce que tu fais Clacker? Clacker arrête de claquer. Oula. J'aimerais bien qu'il sorte. Ça, je vais l'attraper furtivement. Saloperie aveugle me donne la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit.
Ça, je suis d'accord. Dina, tu peux m'aider? J'arrive. Allez, Dina. Ellie. Tiens, merci. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini. Cinq. Quoi, il va me voir. Et toi, ta lumière! Je pense que l'ordi ne compte pas vraiment. Ah, il y en a un autre en face. C'est ça? C'est trois claqueurs, c'est ça? Non, lui c'est un coureur. Le claqueur, ça va en vrai. C'est le coureur qui va poser problème. Voilà. Parce que le coureur, il peut me voir. Le claqueur, c'est que le bruit, tu vois. Ils font peur de base. Mais en vrai, ils sont gérables. Lui, il est derrière là, il est plus près. Lui, c'est juste, faut vraiment pas faire de bruit, quoi. Merde. Putain! Ça a retiré le bouton pour faire la... Il n'y a pas un coureur et un claqueur. Ah si, le coureur est là. Les deux claqueurs sont sur le côté. Bon, en vrai, soit je le fais à la furtive Metal Gear Solid, soit j'ai... Oh putain de merde. Thank you.
J'essaie de la frapper. Putain, j'essaie de la frapper, mais le claqueur, en fait, quand tu l'as en face, une fois que le claqueur t'a vu, c'est mort, quoi. Il y a le premier de justice qui est... Qui est gratuit. Bon, qu'est-ce que ça m'a fait, du coup? Ça m'a sauvegardé en ayant éliminé le premier. En fait, en vrai, je vais éliminer le claqueur, hein. Je veux dire par là qu'en vrai de vrai, le claqueur il te tue en one shot, quoi. Donc dans le jeu ils te disent ouais, si on éliminait d'abord les coureurs, sauf qu'en vrai... le claqueur est tellement plus chiant, quoi. Bon, après le truc c'est que... D'accord, en fait faut pas appuyer trop vite quand tu le prends, sinon ça fait une élimination non furtive, ça fait plein de bruit. Bon, claqueur, t'es où là? On dirait pas un peu une poule? Il y a une sale tête, hein. La cinématique qui va se déclencher. Ça marche pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans toi. Mais attends, tu blaguais ou pas, meuf? Thank you.
Pourquoi tu vas avant moi? C'est moi qui ai trouvé cette solution. Tu sens le froid, putain. Je reconnais, c'est là où il y avait la meuf tout à l'heure. Je sens que ça va mal se passer cette histoire. Ils ont fait plein de livres. Quiet, please. Je t'avais dit au pire, tu pètes la vite, quoi. Au pire, la porte avait pas l'air d'être en bois très très solide, un bon coup de pied dedans et c'est réglé. Lecteur MPG4 DVD. Hey, une tour PC.
pour les PC Gamer Master Race. En vrai, je pense que avant de jouer à The Last of Us 2, c'est bien de se refaire le premier. Eugène sort puis rentre à la maison, si les seuls veulent sauver le monde, eh bien, laisse-les faire. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux policiers. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. Elle n'arrête pas de demander où tu vas rentrer. J'ai plus la force de lui mentir. Tu vas me manquer. Mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît, on t'aime, Claire. Je veux qu'on pouvait retourner la lettre, mais j'ai oublié. Oh, elle est trop belle, la girafe. Tant si Eugène aime les girafes. Il y a une corde au sol. Ça aussi c'est super bien fait, tu vois, le détail d'avoir mis la corde au sol que tu cherches, tu regardes où ça va. T'as vraiment l'impression d'utiliser de lancer un générateur, c'est bien fait ça aussi. Un trophée bricoleuse que j'ai reçu. Ah, il faut 40. Les détails où elle appuie sur le bouton. On peut l'éteindre, ça fait pas trop de bruit.
pas ici. Mais où alors? Bon, écoutez, moi je pense que c'est un très bon point pour faire un nouveau chapitre de Let's Play. Voilà, il faut descendre en bas, nous ne savons pas comment faire. Ça va être l'objet du prochain Let's Play. En tout cas, moi je vous laisse, je vous dis à tous les otaku, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Otaku. Ciao, bye bye.